Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va bien évidemment parler des résultats de la Ligue Osiris. On s'est bien, très bien mis même. On va parler nouvelle politique de Lilith et KVK. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous retrouvez toutes les informations, les pronos d'ailleurs jusqu'à la dernière minute on les ajuste et bien plus encore les screens, les classements, tout est sur le Discord les amis. Les amis, donc je vous le disais, on va commencer par la Ligue. Alors au moment où je fais ce record, les résultats ne sont pas tous intégralement tombés, mais on sait déjà que ça sera un très gros tour. Regardez, je vous montre ça. Ça me fait vraiment très plaisir parce que les pronos de ce week-end sont énormissimes. On est très bien. Sur les 3 matchs de 13h UTC, soit 15h pour nous, regardez. Je vous avais dit de mettre 500. Moi, j'ai renforcé Chat pour prendre le risque. Sur Chat, ils ont perdu. On a donc perdu 250 ou 305 comme moi. Si vous avez renforcé, si vous êtes sur le Discord et que vous avez suivi ce pronostic. 500 sur les signes. On a fait plus de fois 3, 1704. On a pris 1204 sur ce gain-là. Les 17-18, je vous ai dit de mettre 2040 sur les 17-18. 2000, je vous avais dit. On est à 5164 plus 3100. Avec celui d'au-dessus, hein, on se fait quand même déjà un petit 4300. Et pour finir, les 93p, je vous ai dit de mettre 1000, on a fait 2400. On prend 1479 en plus. En gros, on est presque à 6000 de gains d'Auric déjà sur les matchs de 13h. Il reste encore tous les autres. Alors les autres sont beaucoup plus risqués, excepté les 60MX. Hein, mais sinon, les lodés, s'ils gagnent, on sera au maximum. En tout cas, déjà, je suis très content de ces pronos. Je vous ai bien mis là, normalement, les amis. On devrait monter au minimum autour, allez, je dirais, des 13 000 auric si ça se passe mal. Et plus de 20 000, voire 25 000 si ça se passe extrêmement bien. On en reparlera tout ça, les prochains pronos. C'est bien évidemment, comme d'habitude, les amis, vendredi à 18h. J'espère que vous m'avez suivi pour ce tour-là. On s'est très bien mis. Les amis, je vous le disais, on va parler nouvelle politique de Lilith puisqu'en lançant le jeu il y a quelques jours, vous avez dû accepter un agreement des nouvelles conditions générales d'utilisation et vous ne pouvez pas les refuser, sinon vous ne pouvez pas jouer au jeu. Et regardez ce qu'on découvre si on épluche ces nouvelles conditions générales. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Lilith vend nos données à d'autres sociétés pour se faire encore une fois un max de thunes. Regardez ce qu'on découvre au milieu de toutes les informations de cet agreement. Alors, on appelle ça en Europe les ELA, European United, si je ne dis pas de bêtises. Agreement, Licency Agreement. C'est quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Les ELA, parfois. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle pour eux. Mais regardez, le point 1.3, il nous indique qu'ils collectent des données qui viennent de leurs partenaires et qui retournent à leurs partenaires. Si on accepte, hein, si on accepte via un social media account, par exemple, si vous connectez via Facebook, hein, eh bien, ils recevront les données du provider, les données démographiques, les données de fight fraud, les données de la plateforme, de game, de jeu, hein, les adversating and l'analytic purposes, bref, ils obtiennent toutes les données de cette plateforme tiers et bien plus encore, et ils vont les exploiter. Mais ce n'est pas tout, ça serait trop beau, c'était seulement ça. Regardez, autre paragraphe, autre information. Hein. Alors, ils enrobent tout ça, c'est trop beau. Hein. In order to provide you, alors tout pour nous fournir une expérience de jeu vraiment, comment dire, compréhensive, c'est pas compréhensive hein, en français, pour nous fournir une expérience de jeu de qualité. Hein. On accepte qu'ils utilisent les données, qu'ils fassent ce qu'on appelle en termes de RGPD, et qui est totalement illégal en Europe en tout cas,
qu'il croise les données, qui est totalement illégal sans notre consentement. Là, évidemment, ils vont faire notre consentement, qu'il croise les données personnelles, data, et qu'il les donne, qu'il les injecte dans un third party, c'est-à-dire dans un logiciel tiers pour mettre à jour notre compte. Hein. C'est vraiment flippant pour faire une analyse de marché. c'est gris. Hein. To perform market analysis, c'est très clair. Hein. On donne notre accord pour tout ça. Au regard des lois locales, ils le disent bien. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc, au gros, sur cette partie-là, ils analysent toutes nos données pour nous fournir des, pour essayer de nous vendre des choses, tout simplement. Hein, notre personnel data, hein, ils vont tout savoir de nous, de toutes les plateformes sur lesquelles on peut se connecter et on donne accès au jeu. Et regardez, la dernière partie, peut-être la plus flippante, la marketing, communication, data. Hein, ils vont collecter toutes nos données sur nos préférences. Sur les devices sur lesquels on se connecte, sur nos préférences de marketing, sur les préférences d'utilisation, tout, ils vont collecter, procéder à une analyse des data sur la sécurité de notre account, le password, les login history, bref, ils nous disent dans tout ce baratin qu'ils vont collecter toutes nos données personnelles, qu'ils vont les analyser, les étudier, potentiellement les fournir et les injecter dans un logiciel externe, un third party software externe au jeu pour, en fait, après, tout simplement, ben, les vendre, les exploiter, nos données, pour qu'on puisse nous pousser de la publicité ciblée, nous pousser à acheter des choses, etc., etc. Bref, si vous refusez ces nouveaux agreements, hein, vous ne pourrez tout simplement pas vous connecter au jeu. Vous n'avez pas le choix, les amis, vous devez les accepter. C'est très flippant, mais vous n'avez pas le choix. Alors, est-ce que c'est étonnant d'une entreprise qui est sur le marché asiatique très majoritairement? Non, ce n'était pas étonnant. En revanche, est-ce que c'est flippant? Ouais, c'est un petit peu flippant quand même de ne pas avoir le choix parce que sur bien des sites, hein, vous avez évidemment le choix de refuser. Là, si vous refusez, vous ne pouvez pas vous connecter. C'est simple. Alors, beaucoup vous trouveront des excuses pour ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis là-dessus d'ailleurs. Mais personnellement, je trouve ça extrêmement flippant de ne pas avoir le choix, de ne pas pouvoir refuser. Je ne sais même pas si c'est légal. Je pense que ça l'est s'ils le font. Mais souvent, on se dit ça. Mais bien des très grands groupes, hein, font des choses alors que c'est totalement illégal jusqu'à ce qu'il y ait un recours. On verra bien. Voilà pour la partie juridique, la partie collecte de données personnelles. Très flippante, encore une fois. Mais nous n'avons, semble-t-il, pas le choix. Retournons donc in-game et on va parler cette fois KVK. Je vous l'avais promis qu'on allait retourner. J'ai eu du mal. Je vous l'avais promis qu'on allait retourner sur les KVK, voir un certain nombre de KVK. Et on va aller voir quelque chose dont je ne vous ai pas du tout parlé. Bien évidemment, c'est souvent comme ça. Les tempêtes de stratagèmes ont ouvert depuis à présent 4 jours. Alors, il n'y en a pas de très gros avec des méga Imperium. Il n'y en a même aucun avec des Imperium. Ils ont tous ouvert depuis 4 jours, 14 heures. On va aller en regarder un au hasard. Juste pour voir la petite map sympa. Cette nouvelle map qui n'en est pas vraiment une nouvelle. On se retrouve avec 6 territoires encore une fois. Callisto, un territoire, la Valette qui est un territoire neutre où va s'affronter Polia. Alors ils vont s'affronter sur l'ouverture des portes 4. Hein. On est à 4 jours, elle aura lieu dans. On est à 4 jours et demi, elle aura lieu dans 4 jours et demi. Normalement, d'après les timings annoncés par Lilith. Hein. On regarde de l'autre côté, on a encore une fois un territoire neutre. Ah non, on n'a pas de territoire neutre, je dis une bêtise. On n'a pas de territoire de porte 4 de ce côté-là. On est directement en porte 5. Les autres portes 4 hein, vont donc être tac ici sur ce zone-là. La zone tac. On a aussi en porte 5, encore une fois ici, porte 8. Et on retombe sur la porte 4, Estonie. Et ici, enfin la zone Estonie avec des portes 4 là. Ce que vous remarquez en Barbuda, hein, vous remarquez que chaque royaume n'a que 3 portes de niveau 4. Et contrairement à bien des KVK, il ne peut sortir que d'un seul côté. Ça sera les portes de niveau 5 qui lui permettront de sortir d'un autre côté. Mais encore une fois, il ira en Reinhardt. Et en Reinhardt, il n'aura pas de nouveau royaume à affronter. Il sera toujours avec les mêmes royaumes. Donc,
Chaque royaume affronte, chaque zone de départ, parce qu'il peut y avoir plusieurs royaumes, n'affronte qu'une seule zone de départ. Par exemple, les AH 58TK et NM affrontent des 58FU, affrontent en zone TAC qu'un seul royaume, et ce royaume-là, il ne peut pas sortir d'un autre côté, donc il sortira forcément là. Ensuite, quand il ira en zone 5, regardez, en zone 5, c'est le seul à avoir accès à cette zone 5 et à ses portes de niveau 5. Il pourra se friter en porte de niveau 6 sur les ruines anciennes, mais c'est tout. En zone 5, il n'aura pas de fight. Les zones multi-royaumes, multi-zones seront les portes de niveau 7, rien avant. C'est vraiment étrange comme cadencement, mais ça annonce des fights extrêmement intenses. Forcément, quand on n'a qu'une seule zone où aller se fight, eh bien, on va forcément y aller. On parle des autres KVK, celui-là, j'y reviendrai bien évidemment. Il est très, très intéressant. J'espère pouvoir le faire très prochainement, hein, ce Tempête de Stratagème, parce que ça annonce du très, très, très lourd d'avoir qu'une seule zone d'ouverture comme ça. On continue avec la liste des royaumes perdus, et non plus en Tempête de Stratagème, mais cette fois en Guerrier Libre, puisqu'il y a plusieurs royaumes où je vous avais dit on reviendrait faire une mise à jour, notamment le KVK du 1846, du 1175, alors le 1175 avec les Mimi, et regardez, le 1254 n'est même plus Imperium, le 1846 énormissime, oui, ben d'ailleurs on attend leur match contre les 60 MX, on a parié contre eux, et le 2605, regardons ce que ça a donné, on est vraiment sur un vrai bordel hein, dans la diplomatie. Ce royaume avec les Mimi qui ne veulent se battre contre personne, ils ont décidé d'abandonner, le 1302 pareil, les mecs abandonnent les départs. Mais ils sont fous quand même, hein. C'est possible qu'ils aillent au final se battre. Le 1846, eux, ne font pas dans la dentelle. Ils sont sortis direct en zone Ellenberg. Mais regardez, en zone Ellenberg, ils sont peut-être sortis, mais il n'y a pas de fight, forcément. Ils sont sur une zone où ils sont détente, hein, apparemment, avec leurs alliés. Il n'y a pas de bagarre ici. Plutôt au KLM, hein, on est tranquille. Et donc, qu'est-ce que ça donne au sud? Au sud, est-ce qu'il y a du fight pour le 1846 et les WIB? Alors, eux, en général, ils se fight. Eh bien, ils sont sortis et ils ont enfermé totalement leurs alliés au sud. C'est normal, c'est le 1175, ils ont pris leur porte. Ils n'ont même pas essayé de sortir. Le 1175 de l'autre côté et les Mimi, vous voyez, là, il y a deux portes de sortie. Sont sortis, puisqu'en Véronica, hein, les PK-26 et les 26PL et les Song du 1302, eux, ne sont pas sortis. Ils ont décidé qu'ils étaient en grève. Ils ont juste pris la porte de l'autre côté. En revanche, ils sont sortis et ils ont été bloqués à leur porte. Hein, les Bub et les TR du 1254. Le 1254 est totalement enfermé dans sa zone. Ça ne serait jamais arrivé du temps de Bunny, hein. Les mecs sont totalement cloîtrés et pourtant ils ont une belle coalition et des belles alliances. 11 milliards 7, 10 milliards 8, 7 milliards 4 et 6 milliards 7. Mais pourtant, les mecs ne sortent pas de leur zone. C'est assez hallucinant. Mais c'est comme ça, c'est le nouveau 1254. Ça fait un petit peu flipper pour eux. Tout comme le 1556 et bien d'autres royaumes avant eux. Eh bien, ils ont chuté à présent. Et donc, en phase 2, hein, évidemment, les EB1, EB2 et le SW, évidemment, sont, eux, sortis. Il n'y aura pas de vengeance hein, du départ des SW. Et les SW sont sortis aussi sur l'autre zone et ont enfermé leurs adversaires, les K97T, SV32 et SJ32. Mais ça ne va pas être la même face au 1846. Ils ont intérêt à se préparer. Les SW, ça va être du très lourd. Si on compare, comme d'habitude, les petites coalitions. Sur la SW, on a 17,6 milliards, 11 milliards 3, et puis après, c'est deux subs, donc 17 et 11, on va dire, grosso modo, ils ont un petit 30 milliards. Les SW sont solides, mais les WIB sont plus que solides. Les WIB sont tout de même en adamantium, des vrais fighters. Ah bah d'ailleurs, on est sorti de la zone. Des vrais fighters hein, chez les WIB. Allez, remets-nous dans la zone. Voilà, les WIB, on y retourne. Quelle est la puissance de leur coalition? Est-ce qu'ils ont perdu déjà ou ça va encore?
13,7 milliards, 13 milliards et 11 milliards, ils sont bien au-dessus avec leurs 37 milliards. Ça va faire très très mal le choc avec les SW. Évidemment, les amis, on sera là pour suivre les prochaines ouvertures qui devraient avoir lieu dans la semaine. Je ne manquerai pas de vous suivre tout ça. Au niveau du prochain KVK qu'on va suivre également, je vous avais annoncé deux très gros KVK qu'on suivait en guerrier libre. Eh bien, ce n'est pas le seul. On a un KVK où deux Imperium sont seuls contre tous. Je vais vous le retrouver. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Il est plus bas. Donc, le 1886, c'est le 1882, le 2755 et le 1077 qui a perdu son statut d'Imperium sont seuls contre tous. Le 1077, c'est les FCN très solides. Le 2755, c'est les C55T qui ont fait, pas cette année, mais l'année dernière, une très belle saison. Osiris, eh bien, regardez ce que ça donne. On va voir ça tout de suite. Tac, on dézoome et on se retrouve donc cette fois en approche des terres du roi. Et regardez ce blindage de forteresse là. Les 55 ont l'air d'être en difficulté. Leur forteresse brûle. Ils sont en train de se faire dépasser. Le 55 au sud, c'est assez hallucinant et impressionnant. Le 2755 était l'ultra favori de ce KVK. Et malgré tout, ils se sont fait prendre la porte et ça brûle sévère. Toute leur forteresse brûle, alors presque toute leur forteresse brûle là pour le coup. Ils sont vraiment en difficulté sur cette zone-là avant l'ouverture des terres du roi. Celui-là, on le suivra aussi, il est loin d'être fini ce KVK, puisqu'au niveau de l'ouverture des terres du roi, on aura un combat qui va réunir toutes les alliances et tous les royaumes. Est-ce que les deux impériums vont réussir à gagner? On saura ça très très rapidement les amis, dès cette semaine. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. On s'est bien blindé Henrik, hein. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir donné des très bons pronostics pour cette semaine. On continuera de suivre bien évidemment les KVK. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.